Bien, mademoiselle. Qu'avez-vous vu le jour de la disparition de madame Joséphine Chandler? J'ai pris mon parapluie pour faire une promenade avec mes élèves. Je l'ai emmené dans ma chambre, je l'ai dit au directeur. Votre parapluie, je m'en fous. Je voulais savoir si vous avez vu Joséphine. Mais Joséphine a fait une étude. Elle ne voulait pas être punie. Elle jouait au docteur. Je ne vais jamais y arriver. Vous voulez m'embrouiller. Qu'avez-vous fait le jour de sa disparition? Je corrigeais des deux doigts. Je l'ai vu passer dans la cour. Je croyais qu'elle allait en retenue. Je ne lui ai pas parlé. Et le lendemain? Le lendemain, j'ai dit au directeur d'avertir ses parents parce qu'elle n'était pas en classe. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Nous n'y arriverons jamais. Allez me chercher madame Katiuska. Mais ça ne va pas, non? Je ne peux pas partir, j'ai une trop bonne main. Vous n'avez pas le choix. Donnez vos cartes à mademoiselle Pavi. Certainement pas, elle ne sait pas jouer. Vous ne touchez à rien, je reviens. J'espère que ça va être rapide, hein, parce qu'avec un jeu comme ça, j'ai de quoi me payer de belles fesses. Ne fais pas que ça m'a peur. Mon Dieu, mais ce n'est pas une maison de retraite, mais elle est de fou. Quelque chose le jour de la disparition de madame Champion, avez-vous fait quelque chose? Oui, j'étais chez mon chirurgien. Vous comprenez, avec le prix que je paye, je ne supporte pas qu'on passe du bon travail. Vous voyez mes lèvres? Je les voulais pulpeuses. Croyez-vous qu'elles sont pulpeuses? On dirait des marshmallows tout mou. Bon, bref. Ce soir-là, j'ai appelé Léon, le taxiteur, il m'a emmené à la ville, m'a attendu en bas de chez mon chirurgien. Et puis nous sommes rentrés tard, et puis Joséphine n'était plus là. Oui. Alors ça, c'est vous qui le dites, hein? Oui. J'irai interroger ce Léon-là. Il pourrait être votre complice. Léon? Mais le pauvre, mais s'il vous entendait, serait tout retourné. Vous ne m'avez pas dit ce que vous pensiez de mes lèvres? Oh, ça suffit, je n'en peux plus. Je continuerai avec vous demain. Allez me chercher, Marie-Louise Pompé. Bonne soirée. Bonne soirée. Nous avons rangé les cartes, nous n'avions pas le cœur à jouer. Alors, que vous a dit la commissaire? Mais de quoi je me mêle, madame? Je mets mon nez partout. Une partie de poker ne s'interrompt pas comme ça, hein? Oui, mais c'est mieux ainsi, hein. Je n'avais pas envie de me faire ratiboiser une nouvelle fois. Je n'avais pas de jeu. Alors, vous éclairez nos lanternes? Des lanternes, oui, c'est ça. Ce sont des vraies lanternes. Je disais au directeur l'autre jour les élèves, ce n'est plus ce que c'était. Vous avez raison. Alors, tournons un jour ce que vous a dit la commissaire, madame Stella. Alors comme ça, vous auriez aperçu Joséphine avec une valise? Oui, et elle semblait bien lourde. Il y avait plein de choses dedans. Comment le savez-vous? Vous l'avez ouverte? Certainement pas, mais vous me prenez pour qui? Le docteur Jean-Pierre aussi a disparu. Et je l'ai entendu se disputer avec la directrice. Elle doit savoir des choses. Qui ça? Ben, la directrice, bien sûr. Mais vous me semblez bien jeune pour vous occuper de cette affaire. La valeur n'attend pas le nombre des années. Et qui me dit que vous n'avez pas ouvert la valise de Joséphine? Et comme elle vous a surprise, eh bien, vous l'avez tuée. Où avez-vous mis le corps? Ah, mais ça va pas, non? Calmez-vous. Ça suffit, je suis fatiguée, je n'en veux plus. Je continuerai demain. Mais vous me semblez bien trop agitée pour être vraiment honnête. Hein? Mais mon Dieu, mais... Et que vous a-t-elle dit? Mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais répondez-moi, bon sang. Je vois pas pourquoi je vous répondrai, hein. Non mais, ça arrive dans je ne sais où, là, et ça vous de faire sa loi. Vous savez qu'à cause de vous, ça devient dangereux de résider au soleil couchant. Et pourquoi donc? Croyez-vous qu'à l'extérieur ce soit mieux? Avec les jeunes qui arrachent le sac aux vieilles dames? Croyez-moi, vous êtes plus ici. Dehors, je pourrais me payer la présence d'un garde du corps. Et franchement, ici, nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne pouvons pas compter sur vous, vous êtes toujours pressés. Allons, allons, ma bonne Julienne.
Calmez-vous, ce n'est pas bon pour votre cœur. À votre âge, il faut le ménager. Madame de la Rivière, s'il vous plaît, hein, qui nous a permis tant de familiarité. Et puis arrêtez de nous rappeler sans cesse notre âge. Je suis plus alerte que vous. Oui, je vous signale que je joue au tennis tous les matins avec les résidents de la maison de retraite communale. Et je gagne. Alors, occupez-vous de débarrasser et laissez-vous tranquille. Hein. Écoutez, si vous le prenez comme ça, hein, moi, je m'en lave les mains. Oh, c'est de plus en plus difficile de se faire bien servir. En y réfléchissant, ce départ précipité, Madame Delphine m'inquiète. Elle a peut-être voulu commencer son enquête toute seule et... Et on l'aura fait taire. Ah, oui. Peut-être qu'elle avait trouvé des choses. Et voilà, et on a caché le corps et il est peut-être encore ici. Qui ? Le corps, bien sûr. Arrêtez de nous faire peur, que ces gens sont si vicieux. Mais c'est vrai, ça. Oh, depuis que j'étais abandonnée, j'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Je vous ai raconté comment ça s'est passé. Il est parti s'habiller, il est calme. Je suis encore toute traumatisée. Madame Sidonie, c'est bien qu'encore très jolie, et vos rabâchages s'apparentent à la folie. Et si je puis le dire ainsi, je vous prie de cesser, vous les damnés. Pour une fois, c'est assez bien dit, hein. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée, madame. Je pense que vous perdez votre temps et vous nous perturbez. Profitez donc de ce séjour à la mer. Aldo, le maître nageur, vous fait tourner la tête. Alors si vous ne savez pas nager, je vous conseille de prendre des leçons. Je l'avais bien dit, ils n'apprennent jamais leur leçon. La semaine dernière... Madame Morissette, soyez raisonnable et essayez de comprendre. On parle de leçons de natation. Vous n'êtes plus institutrice, mais vous êtes à la retraite. À la retraite? Mais où suis-je alors? Ma pauvre Morissette, vous êtes à la résidence de Soleil Couchant. Allez, venez là. Mais ça, pendant le couchant, il est 22h. Nous fermons la salle. Allez, tout le monde dans ses chambres. Allez, on se dépêche. Oh, pour celle-là, pour quelle femme a toujours nous donné des corps. Monsieur le directeur, c'est à vous de clore la réunion. Vous vous laissez trop marcher sur les pieds. Bon, je clôt la réunion. Venez, nous allons nous coucher. La journée va être dure demain. C'est vrai, cette classe de CM2 est trop difficile à tenir. Beaucoup trop de bavardage. Oui. Vous venez, Marie-Louise? Je ne l'ai pas tuée. Mais moi non plus, je n'ai tué personne. Nous sommes des femmes honnêtes. Mais pas pour la commissaire. Oui, ben ça vous apprendra à trop parler. Ah, je n'ai dit que ce que j'ai bu. Eh bien, c'est encore trop. Alors, allons nous coucher, on en reparlera demain. Mais moi, je n'aime pas qu'on mette le nez dans mes affaires. Ah ben, moi c'est pareil, hein. Ah oui. Alors laissons Monsieur Hubert avec cette curieuse, il saura l'occuper. Non mais quand même, depuis qu'elle est arrivée, il lui sert de chevalier servant. Il n'arrête pas de la suivre des yeux, là. On dirait qu'il est pie. Mais qui est pie qui croyait prendre? On ne va quand même pas la pendre tout de suite. Monsieur Hubert avait raison. Vous devriez consulter. Mais enfin, c'est dangereux. Si quelqu'un vous surprenait, la femme de ménage, ou pire, la directrice. Mais occupez-vous simplement de leur donner rendez-vous. Et puis, vous les retenez une heure, là, sur la plage. Voilà, vous les occupez. Pendant ce temps-là, moi,
avec la femme de ménage, je lui demanderai de faire ma chambre. Pendant ce temps-là, je fouillerai celle de Julienne, et ainsi de suite. Et je me cacherai entre deux nettoyages. Belle Suzette, mais vous êtes maligne. Autrefois, vous étiez la première à vouloir faire la fête. Aujourd'hui, prenant l'habit du détective, vous avez un bel avenir en perspective. Oh, vous êtes un poète, Hubert. Mais comment savez-vous que jadis, j'aimais faire la fête? C'est une idée qui m'est passée par la tête. Ou alors, c'est que je sais sur vous plus de choses que vous ne savez sur moi. Ah, j'en étais sûre. Oui. Nous nous sommes déjà rencontrés. Mettez-moi sur la piste. C'est déjà plus d'un demi-siècle. Soyez gentil. Je donne ma langue au chat. Bon. Dénouez cette énigme, retrouvez votre ami et nous en reparlerons, je vous le promets. En attendant, allons me coucher. La journée va être dure demain. Alors, c'est décidé? Vous m'aidez? Oui. Bon, je préfère vous refuser. Allez. Merci. Merci.